et bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Une édition particulière qui sera entièrement consacrée à la fête nationale. Voici tout de suite le sommaire. Nous débuterons avec les ultimes répétitions qui se sont déroulées ce vendredi matin au Palais Princier. Nous vous présenterons la frégate Guéprate de la Marine nationale française qui a fait escale en Principauté à l'occasion de la fête nationale. Autre invité de ce 19 novembre, le Bagad de l'Ambioué. Nous vous ferons découvrir cet ensemble musical breton. Les élèves de la Principauté se sont eux aussi mobilisés pour la fête du prince. Nous sommes allés à leur rencontre. Autre tradition de cette fête nationale, la remise des médailles. Nous vous proposerons un tour d'horizon des différentes distinctions. Et en fin de journal, nous accueillerons notre invité du week-end, le lieutenant-colonel Laurent Solaire. Nous reviendrons notamment avec lui sur les préparatifs de cette fête nationale. Vous l'avez compris, ce journal sera intégralement consacré à la fête nationale monégasque. Ce samedi 19 novembre sera ponctué par de nombreux temps forts. Émilie Rousseau a assisté aux ultimes préparatifs des festivités dans la cour d'honneur et sur la place du Palais Princier. On regarde. Portez Il est aux alentours de 7h du matin, nous sommes dans la cour d'honneur du Palais Princier. C'est ici que débuteront les festivités de la fête nationale le 19 novembre. À quelques heures de l'événement, le colonel Luc Fringant, commandant supérieur de la force publique, peaufine les derniers réglages. Une dernière répétition retraçant le déroulé de la fête nationale, du placement des troupes à la remise des galons, en passant par l'hymne national, rien n'est laissé au hasard. Échange de salut avec le prince, remise de la décoration, du galon, peut-être que vous aurez une décoration en plus, mais pour le moment c'est le galon, dans la main gauche, serrement de main, vous avez l'initiative du salut. Comme pour un spectacle, on appelle ça la générale, hein, dans un théâtre ou dans une salle de concert. Donc ce matin, je fais ma générale, effectivement. Donc on vérifie qu'on connaît notre texte, on connaît les paroles, on connaît la musique. Et je dois vérifier qu'il n'y a pas le petit détail qui perturberait le cérémonial. Et puis nous attendons maintenant la marine qui va défiler avec nous, ou derrière nous plus exactement, demain. Et donc eux vont découvrir la place. Donc là, c'est plus qu'une générale pour eux, ça sera à la fois... On va faire à la fois une répétition, on va leur expliquer ce qu'on attend d'eux pour que ce soit un beau défilé. Ils vont être un peu stressés, c'est normal, parce que les marins, généralement, ils n'ont pas l'habitude de défiler. Ils le font de temps en temps, ils vont le faire demain, mais il faut les mettre dans de bonnes conditions pour qu'ils se sentent bien et qu'on puisse apporter quelque chose de plus à notre propre prise d'armes. Et la Marine nationale sera doublement associée à la fête du prince avec la présence du Bagad de l'Ambioué et d'une délégation de 16 marins de la frégate le Guéprate qui fait escale en Principauté. Le Bagad de l'Ambioué, orchestre de musique traditionnelle, viendra compléter le répertoire joué par l'orchestre des carabiniers du prince. Cette année, je pense que nous allons faire un grand pas en avant. Si je vous dis, je ne veux pas tout vous dévoiler non plus, il faut conserver une petite part de surprise, mais si je vous dis par exemple l'orchestre des carabiniers du prince, le Bagad de l'Ambioué, donc l'orchestre de la marine nationale qui représente la marine nationale mais également la Bretagne, toute la région bretonne, parce que c'est un orchestre de musique traditionnelle. Nous sommes un orchestre de musique militaire et nous allons interpréter de la musique d'un groupe célèbre qui s'appelle ACDC, donc de la guitare électrique, des distorsions électriques, des chemins un peu cabossés. Les mélodies seront un tout petit peu moins habituelles cette année. Répertoire insoupçonné donc pour l'orchestre des carabiniers du prince qui nous réserve bien des surprises. La répétition générale s'est achevée par le défilé militaire sous l'œil bienveillant du prince Albert II. Vous venez de les apercevoir lors de ces ultimes répétitions. Les officiers de la frégate Guéprate de la Marine nationale française ont fait escale en Principauté. Une délégation participera à la prise d'armes et au défilé militaire de ce 19 novembre. Vanessa Dessy les a rencontrés.
Avec ses plus de 120 mètres de long, la frégate Gueprat est un bâtiment de combat. Ce dernier a été conçu principalement pour faire respecter les intérêts maritimes de l'État français dans les espaces d'outre-mer. Il peut aussi assurer d'autres missions telles que l'intégration à une force d'intervention, la protection du trafic maritime, l'accompagnement d'un groupe aéronaval et la réalisation des missions spéciales ou humanitaires. Le Gueprat, c'est la cinquième frégate légère furtive de la famille de toutes les frégates. Donc, elle est rentrée au service actif en 2001. Voilà, donc, elle fait 125 mètres de long, à peu près 15 mètres de large. Et pour ses différentes missions, c'est la collecte de renseignements, c'est surveillance maritime, on peut embarquer des forces spéciales et les déployer sur zone. Et on peut intégrer le GAN ou une task force. Commandé par le capitaine Claire Potier, l'équipage est composé de 15 officiers, 80 officiers mariniers et 53 quartiers-maîtres et matelots. La vie militaire est un état d'esprit, il faut être disponible à tout moment et pouvoir tenir le rythme. Une carrière militaire, et notamment dans la marine, se choisit donc par vocation. Par conviction, pour certains, on préfère la vie embarquée. Donc moi, je suis à 25 années de marine, dont 18 ans en embarquement. Voilà, on se retrouve par conviction. Il y a du personnel dans la marine qui préfère la vie embarquée que la vie à terre. Ça, c'est un choix de carrière. La vie à bord, elle s'organise très bien. On est par grade, d'accord ? On est par grade au niveau des carrés, par grade au niveau de la vie à bord. Mais bon, on est typiquement une famille quand on est à bord, quoi. On est tous ensemble, on se la main dans la main. Et puis voilà, c'est pour ça que ça se passe le mieux possible, quoi. De nos jours, l'armée peut être perçue ou envisagée comme une solution idéale pour acquérir une première expérience professionnelle. Il est vrai que beaucoup de perspectives d'avenir sont accessibles par cette voie. C'est justement le chemin qu'a décidé de suivre Solène. J'ai eu mon bac en 2011. Après, je travaillais dans le civil pendant 2 ans. Et du coup, je suis rentrée dans la marine en 2013. Et depuis, j'ai fait 1 an à terre et depuis, je suis sur ce bateau. Ça a toujours été une volonté, mais j'ai du mal à passer le pas parce que donc, je suis une fille. Par rapport à avant, les portes sont ouvertes, je m'étais fait une fausse idée parce que finalement, on est très bien accueillis en tant que femme dans la marine maintenant. Moi, je me suis née pour embarquer sur un bateau, c'est jusqu'à 30 ans. Après, j'ai une spécialité où je peux aller à terre justement pour éviter d'avoir une... Enfin, c'est possible d'avoir une vie de famille pour nous, les filles, on va dire. C'est adapté. C'est adapté. Mais c'est pas facile non plus pour tout le monde. Ça dépend des spécialités. La frégate Gueprat fait escale en principauté à l'occasion de la fête nationale. Une délégation participe notamment à la prise d'armes et au défilé de ce 19 novembre. L'occasion de rappeler les relations étroites, amicales, historiques et durables qui lient Monaco à la France depuis de nombreuses années. On est très fiers de venir représenter la France pour la fête nationale à Monaco. Voilà, on est très content de venir participer à cette fête nationale. C'est un honneur de venir à Monaco, c'est important pour moi, les Monégasques sont nos amis. Amarrée au quai Régnier 3, la frégate est ouverte au grand public ce samedi 19 novembre. Le Bagad de l'an Biwe va participer pour la première fois de son histoire à la fête nationale monégasque. Le célèbre ensemble musical breton de la Marine nationale française a été invité à participer au défilé militaire. Dominique Poulain vous le présente. Un accent breton résonnera sur la place du Palais lors de la fête nationale. Le célèbre Bagad de l'An Biwe est invité à se mêler au défilé militaire aux côtés des carabiniers, des sapeurs-pompiers ou encore de la sûreté publique. Histoire de rappeler peut-être que la famille Grimaldi a des racines bretonnes héritées du prince Jacques Ier de Matignon. Pour nous, c'est un grand honneur déjà parce que je pense que c'est un événement très important. Et inviter le Bagad de l'An Biwe, qui est une formation quand même particulière dans l'armée française et dans le sein des musiques militaires, hein, puisqu'on est quand même une musique traditionnelle. Donc un instrument de rayonnement pour la marine nationale, mais aussi pour la Bretagne. Et je pense qu'il y a tout un symbole, il y a un lien pour que le Bagad soit présent samedi prochain. Le célèbre ensemble musical, composé d'une trentaine de sonneurs et batteurs, est arrivé en principauté mercredi. Une première étape les conduit
au musée des voitures anciennes. Sans cornemuse, bombarde et tambour, les militaires y découvrent près d'une centaine d'automobiles, des Rolls au Cadillac en passant par des Lamborghini, ainsi que des voitures de course qui ont marqué le rallye Monte Carlo et le Grand Prix de Formule 1. La deuxième étape les amène place du Palais, où ils sont accueillis par le colonel Luc Fringant, commandant supérieur de la force publique. Quelque chose de plus, cette année, c'est vous le quelque chose de plus. Donc merci, bienvenue, j'espère que vous allez passer un bon moment ici. Devenu ambassadeur culturel de la Bretagne, le Bagad de l'Anbiway, entité de la marine nationale, sillonne la planète depuis plus de 60 ans, avec des airs qui n'ont rien de guerrier. Mais le Bagad n'est pas né de la nécessité, mais du hasard. Il est né un soir sur ce qu'on appelle le carré des maîtres sur la base de l'Anbiway. Après la journée de travail, des marins se sont retrouvés. Et puis au fil de la discussion, il y en a un qui a sorti sa bombarde et un deuxième qui a dit finalement moi je sais aussi jouer de la bombarde. Et puis le troisième qui s'est dit moi je sais jouer de la cornemuse. Donc tout le monde s'est retrouvé. Ça a été une soirée festive. Et de cette soirée festive est né ce fabuleux Bagad de l'Anbiway, qui a été immortalisé après par Alain Souchon avec cette fameuse chanson. Alors je ne sais pas si c'est nous qui avons fait la carrière d'Alain Souchon ou lui qui a fait la nôtre, mais en tout cas, le Bagad de l'Anbiway, je crois que comme le granit en Bretagne, il est bien implanté dans la mémoire collective des Bretons et des Français. Ces musiciens professionnels n'ont guère plus de 20 ans, mais se baignent dans la musique, dans toutes les musiques, tout en s'inspirant de la tradition bretonne. Ce qu'on attend, c'est bien sûr de vivre des moments qui vont être exceptionnels. On a fait le 14 juillet, on a eu l'occasion de se produire sur les plus grandes scènes de France et dans le monde entier. Mais venir ici en Principauté, je pense que pour le Bagad, pour son histoire, le Bagad est relativement jeune, il n'a que 62 ans. Et d'être ici, c'est aussi une forme de reconnaissance. Donc pour nous, c'est un honneur et un grand symbole. Partout où il passe, les pompons rouges ont beaucoup de succès. Ils sont aimés, trop peut-être. Le carnet de rendez-vous du Bagad l'Anbiway est plein chaque année. Et aujourd'hui, les cornemuses, bombardes ou autres tambours sont devenus les symboles de la réussite d'une fête populaire. Les élèves de la Principauté ont pris part eux aussi aux célébrations de la fête nationale. Habillés en rouge et blanc, les élèves de l'école des Révoirs ont chanté ce vendredi matin l'hymne national monégasque. Nous les avons suivis. Reportage. Comme beaucoup d'établissements scolaires, l'école des Révoirs a pavoisé son hall d'entrée aux couleurs de Monaco, afin de manifester son attachement au prince Albert II et à la princesse Charlène, alors que les élèves ont fait quelques dessins. Ces enfants du CP au CM2, tous vêtus en rouge et blanc, descendent dans le gymnase pour commémorer la fête nationale. Au total, ils sont 341 exactement à chanter l'hymne national monégasque. J'ai ressenti un grand stress parce que déjà il fallait chanter l'hymne monégasque pour le prince et toute la famille royale et princière. Moi aussi j'ai été stressée parce que c'est la première année, on doit chanter la chanson en entière. Enfin, ça va, c'est passé, mais c'est juste que c'est la première fois et la dernière fois qu'on le fera, enfin, en tout cas dans cette école. Donc c'était stressant, mais en même temps bien. On était très stressés et donc on voulait vraiment danser et chanter pour le prince. J'en avais vraiment les larmes aux yeux, donc de voir le résultat et ces enfants qui sont investis dans un même hymne, qui ont compris la valeur de l'hymne, que ce n'est pas une chanson comme une autre, mais c'est vraiment chanter en honneur au pays où ils habitent, où ils viennent à l'école, où ils sont nationaux, et pour le prince. Voilà. Et donc là, j'ai vu vraiment un groupe, un cœur unique qui a chanté dans le même but, voilà, pour rendre honneur au prince. Et malgré le stress qui anime quelques enfants, c'est avec conviction et justesse que les élèves
reprennent les paroles de l'hymne national, poussées par un subtil mélange de respect et de fierté. D'abord, c'est un grand jour, parce que c'est le jour le plus important de l'année. Et on n'en manque pas, on n'en manque jamais. Moi, j'enseigne depuis plus de 30 ans. Et cette journée, elle est inscrite dans les agendas, incontournable. Et même quand je rencontre des anciens élèves, ils m'en reparlent. On chantait l'hymne ensemble, on était tous habillés en rouge et blanc. Donc c'est quelque chose qui marque. Et pour les enfants de cet âge-là, ces symboles-là, ça leur permet d'avoir des appartenances, une identité nationale, même si beaucoup d'enfants ne sont pas natifs de la principauté, puisqu'on a beaucoup d'étrangers, mais ils épousent la cause sans qu'on ait besoin de les convaincre. Les élèves ont ensuite entonné une chanson à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, qui sera célébrée le lendemain de la fête nationale monégasque. Léane, Julia, Vanessa et Electra jouent les chorégraphes. Il y a des enfants qui travaillent et qui sont enfants soldats, c'est pas du tout bien. Donc cette chanson, pour moi, elle est faite pour eux et voilà. Autre temps fort, en amont de ces célébrations, les traditionnelles remises de médailles. Jeudi, le prince Albert II remettait les médailles de l'éducation physique et des sports. Émilie Rousseau. C'est une tradition qui remonte à 1939. Instituée par le prince Louis II, la médaille de l'éducation physique et des sports honore les personnes qui, par leur performance ou par leur enseignement, contribuent notamment au développement du sport en principauté. J'ai déjà eu l'occasion de souligner combien le sport, par ses valeurs qu'il véhicule, participe à l'épanouissement personnel et à l'accomplissement d'une relation humaine solide et positive. En cette année olympique, notre délégation a représenté la principauté en mettant particulièrement à l'honneur les qualités que je viens de mentionner. Elle a montré la voie à d'autres, plus jeunes, pour qu'à leur tour, ils se préparent au mieux et s'efforcent d'être sélectionnés pour ce grand rendez-vous. Cette médaille vient donc saluer l'investissement de ses récipiendaires, qu'ils soient athlètes de haut niveau, entraîneurs, docteurs en médecine, présidents de clubs ou bénévoles. Ils se distinguent tout au long de l'année pour leur fédération ou leur club. C'est une très grande fierté pour moi, en fait, d'être récompensé et d'avoir cette médaille par le prince souverain. Ça représente beaucoup de travail au niveau du sport et de l'implication dans le club d'haltérophilie où je suis depuis à peu près une dizaine d'années maintenant. C'est tout d'abord beaucoup d'émotions, une grande fierté et je suis vraiment ravie d'avoir reçu cette médaille. Voilà. L'expliquer en beaucoup de mots, c'est difficile, mais ça représente beaucoup pour moi. C'est une consécration, c'est un honneur d'être reconnu, surtout par le prince qui est très sportif. C'est un honneur pour nous, c'est un honneur. Hein. De toute façon, toute l'année, on véhicule, on est un peu les ambassadeurs dans toutes les villes où nous allons faire des compétitions avec mon fils, même au niveau international. Et à chaque fois, c'est pour nous, c'est que du bonheur. Hein, c'est que du bonheur. Et d'être reconnu aujourd'hui ici au ministère d'État, il y a beaucoup de gens qui voudraient être à notre place, hein, je pense. Je prends ça comme une reconnaissance. Ça fait 15 ans, 20 ans, 25 ans que je fais du judo, 15 ans que je fais du haut niveau. Et du coup, ça montre que il y a des gens qui m'ont regardé du coin de l'œil tout ce temps et qui reconnaissent que j'ai fait bien. Je ne sais pas si c'est du bon travail, mais j'ai fait l'effort, quoi. Voilà. Cette année, 75 personnes ont été récompensées par le prince Albert II d'un insigne de bronze, d'argent ou de vermeil, la plus haute distinction. Après les médailles de l'éducation physique et des sports, je vous propose un tour d'horizon des autres distinctions remises notamment par le prince souverain et les membres de sa famille. En commençant par l'ordre de Saint-Charles qui récompense le mérite et reconnaît les services rendus à l'État ou à la personne du prince. L'ordre de Grimaldi a été quant à lui institué par le prince Rainier en 1954. Il distingue les personnes ayant contribué au prestige de la principauté. Autre distinction remise par le prince souverain, la médaille du mérite national du sang. Elle met à l'honneur le dévouement des donneurs de sang en principauté.
Dans la même lignée, la médaille de la reconnaissance de la Croix-Rouge monégasque récompense le dévouement et les services exceptionnels rendus à la Croix-Rouge sur le plan international ou national. Son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre, met elle aussi chaque année des distinctions aux personnalités qui ont participé par leur œuvre ou leur enseignement au développement des arts, des lettres et des sciences à Monaco. Il s'agit de l'Ordre du Mérite Culturel. Et finalement, ce vendredi était remis par le ministre d'État, sous la verrière du Grimaldi Forum, les médailles d'honneur à la Sûreté publique et à la Force publique. Et chaque année, le service social de la Croix-Rouge monégasque distribue environ 130 colis alimentaires. Comme vous pouvez le voir sur ces images, la princesse Stéphanie est venue remettre elle-même ses colis aux personnes âgées au sein du foyer Régnier III. Ce journal touche bientôt à sa fin. Il est donc l'heure à présent de retrouver notre invité du week-end. Il s'agit du chambellan du prince, le lieutenant-colonel Laurent Solaire. Bonjour, colonel. Bonjour, Alexandra. Alors, la principauté a revêtu ses habits rouge et blanc pour honorer le prince souverain. Absolument. Mais alors, vous, de votre côté, évidemment, ça fait depuis plusieurs mois que vous préparez cette fête nationale. Est-ce que vous pouvez nous en dévoiler un petit peu plus sur les coulisses? Oui, alors effectivement, depuis la dernière fête nationale, nous avons déjà commencé à réfléchir à celle-là. Et notre souverain a souhaité que cette fête nationale soit mise un petit peu, que le thème en soit la mer. La mer, donc comme le thème en était la mer, eh bien, nous avons pensé qu'il était opportun d'inviter la marine nationale française. Et d'ailleurs, cette année, il y aura un bateau, le Guéprat, hein, qui mouillera dans les eaux de Monaco, qui sera là très rapidement et que les gens d'ailleurs pourront visiter et qui sera parmi nous. Voilà, donc la mer, avec l'amiral qui commande la marine nationale française, avec le baguette de l'Ambioué, ces Bretons qui arriveront avec leur cornemuse, et je pense que ça aura beaucoup de gueule, et tout un spectacle qui sera donné également vendredi pour les Monégasques, pour le prince, un spectacle laser. Le prince a souhaité faire quelque chose de différent, de nouveau, donc un spectacle laser avec une musique dont le thème sera la mer, vous l'avez deviné, et puis tout un tas de petites cérémonies comme ça que nous découvrirons peut-être au fur et à mesure. Il faut rappeler également que la fête nationale se déroule en fait sur toute la semaine qui précède depuis le début de la semaine. Absolument. Vous avez également de nombreux préparatifs à réaliser. Absolument. Le service d'honneur et les équipes du service d'honneur sont au travail depuis longtemps. Le palais, les carabiniers, les pompiers, les policiers, parce qu'il y a également tout un système de sécurité qui est mis en place. Tout ce monde travaille depuis longtemps et plus particulièrement depuis ces dernières semaines pour préparer l'événement. Et puis, en amont de l'événement proprement dit, de la prise d'armes, du Tédéum que nous vivrons, eh bien, il y a des remises de décorations. Par exemple, le prince a remis en premier, la première cérémonie, ce sont les remises de décorations pour les bénévoles. C'est une médaille que le prince a souhaité, a créée il y a 10 ans, pour les gens qui faisaient des choses, qui donnaient de leur temps pour les autres. Il avait vu des dames, on m'a raconté qu'il avait vu des dames à la Croix-Rouge qui empaquetaient et qui distribuaient des vêtements. Et il est revenu le lendemain, elles étaient là, et il s'est dit, mais il faut faire quelque chose, et il a créé cette médaille. Il y avait beaucoup d'émotions lorsqu'elle a été remise l'autre soir. Et pour revenir sur la journée de la matinée de samedi, quels sont les grands événements que le public pourra suivre? Alors le premier grand événement, ça sera le Tédéum, qui va être dans la cathédrale. Et puis ensuite, il y aura cette prise d'armes magnifique, hein, que le colonel Fringant, le chef de la force publique, prépare avec beaucoup de sérieux depuis pas mal de jours, puisque là, nous y verrons les marins de l'Ambioué, qui sera là, ils seront là avec leur cornemuse, l'orchestre des carabiniers, les carabiniers, et puis aux fenêtres, ici, nous pourrons voir les enfants qui ont beaucoup grandi, qui sont magnifiques. Jacques et Gabriella sont merveilleux, ce sont deux très beaux bébés, avec leur papa, leur maman, le prince et la princesse, et la famille princière. Ce sera évidemment un moment qui sera bien suivi par les monégasques et les amoureux de la principauté. Absolument, ce sera vraiment le moment fort de cette fête nationale, et nous l'entendons tous avec beaucoup d'émotion. Est-ce qu'on peut revenir sur les invités d'honneur qui sont conviés? Alors, je vous parlais de la Marine nationale, le thème est la Marine nationale. Bien sûr, les invités d'honneur sont les officiers de la Marine nationale. Il y aura l'amiral Praduc, qui est le chef d'état-major de la Marine. Nous aurons le commandant du bateau, qui est une dame, Claire Potier. Donc elle fera partie également de ces invités d'honneur, et puis de nombreux ambassadeurs, des consuls et d'autres personnalités qui seront là pendant cette journée. Mais merci beaucoup, colonel. Merci, on vous laisse, Alexandra, à vos préparatifs parce qu'il y a encore du travail pour vous. Il reste 2-3 bricoles à faire. Absolument. Et on vous retrouve évidemment samedi sur la place du Palais, ici même. Merci Alexandra, très bonne journée à vous. Merci à vous. Et justement, quel temps fera-t-il samedi pour cette fête nationale? Je vous propose de regarder les prévisions météo de ces prochains jours.
Le temps devrait donc être clément pour les célébrations de la fête nationale. Il fera 19 degrés au plus chaud de la journée. Dimanche, le temps redeviendra plus maussade avec un risque de pluie en deuxième partie de journée. Lundi, la semaine débutera sous la pluie. Les températures seront en baisse. Mardi, le ciel sera toujours couvert. Il fera de 12 à 14 degrés. Mercredi, amélioration progressive du temps. Et finalement, jeudi, le temps sera mitigé avec des températures allant jusqu'à 14 degrés. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous ce samedi à partir de 9h25 en direct sur Monaco Info, Monaco Channel et Facebook pour suivre en intégralité les célébrations de ce 19 novembre. Bonne fête nationale à tous.